Bon, ben voilà. Il y en a 10, 10 bottes de paille. J'en garde deux autres donc qui sont déjà dans le camion pour le beau-père, pour ses poules. Et puis voilà. Allez, passe à la suite. Bon, bah, comme prévu, j'ai commencé à bien pailler. On peut voir que bah, ça fait son job, hein. Donc ça va se caler progressif, hein. Il n'y a pas de souci. Ça va être bien, impeccable. Donc sous ce paillage, hein, rien ne m'empêche de mettre, voilà, j'ai des déchets de patates douces bio. Ça va aller dessous, quoi, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de problème. J'en ai profité pour aussi pailler les framboisiers. Voilà. Et là, il y a, alors c'est pour vous donner un ordre d'idée, il y a une seule botte de paille. Voilà. Ça fait, je sais pas. Fait 9 mètres. 9 mètres de long sur 1 mètre. Ouais, ça fait 9 mètres carrés. Allez, j'arrondis. Voilà. Alors, naturellement, faites bien attention à ce que vos jeunes plants soient toujours en contact avec la lumière. Hein, c'est impératif. Je suis désolé, hein, j'ai ma plein de peinture parce que je jongle entre toujours, hein, entre la peinture de la maison, là, sur ma dernière chambre, celle du petit qui va arriver dans quelques jours, là, des loulous. Dans, je pense 2-3 jours là, ou peut-être ce soir, cette nuit, j'en sais rien, je sais pas. Voilà, à noter qu'on est le 1er mai aujourd'hui. Donc voilà. On va voir. Donc notre sarriette qui est ici, le romarin qui a pris sa place. Le problème de la paille, c'est qu'après, bah, il faut tout remettre en place, quoi, forcément. Le cerfeuil ici. La coriandre là-bas. Ici, notre persil japonais, ça s'appelle. C'est très impressionnant, je connaissais absolument pas. Notre rhubarbe. Et qui est déjà en train de préparer encore une tige. Je suis content. Ça veut dire que tout se passe bien. Et là, notre thym, nos deux thyms, thym normaux. Ah, c'est excellent l'odeur du thym, moi j'adore ça. Ciboulette ici, de l'aneth, voilà. Il y a deux pieds d'aneth, un ici, un là. Et puis nos blettes, tout ça. Hein. Donc, tout ça va aussi être payé, faut que j'ai pas eu le temps de terminer parce que priorité à la peinture. Voilà, et puis les artichauts, j'ai commencé aussi à les pailler. Et donc lundi, si le baby n'est pas né, j'irai de quoi acheter clôture pour mettre les poules. Puis le poulailler, faut que je regarde si je trouve un poulailler qui me plaise, que je fasse un bon rapport qualité-prix. D'ailleurs, si vous avez une idée rapport qualité-prix, enfin ça va dépendre de quand est-ce que je vais vous mettre cette vidéo. Si ça se trouve, j'aurai déjà acheté le poulailler au moment où vous aurez la vidéo. Enfin bon. Qu'importe, ou peut-être que je l'aurais construit, j'en sais rien, je sais pas, j'ai pas encore réfléchi. Glissez-moi quand même des liens de bon endroit où vous achetez poulailler, matériel, tout ça et tout, quoi. Voilà, voilà. Concernant les ruches, ben ça avance, puisque j'ai transmis ça à mon collègue, donc bientôt les essaims vont être incorporés, donc on attend un petit peu le bon moment, et puis ça va le faire, quoi. Et puis ça va le faire. Il faut laisser le temps au temps, et puis c'est tout. Donc on fait bien gaffe là, pareil, à nos fenouilles, hein. À pas les gêner. Pareil. Du moment qu'il y a de la lumière, logiquement, ça fait son affaire. Voilà. Voilà les loulous. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Et puis à la prochaine. Allez, ciao.